聖剣伝説3 Trials of Mana. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Je vous ai laissé profiter de la bande-annonce de Trial of Mana pour la première vidéo que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du changement de classe possible pour les personnages. Je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer en détail au mieux que je peux, sans me mélanger et en étant le plus clair possible. Alors je vais prendre l'exemple avec Angela, parce que j'ai tous les objets pour elle qu'il faut, donc je vais vous expliquer ça en détail. Par contre, je préviens, gros spoil, parce que moi j'ai terminé l'histoire du jeu, tout ça. Donc, gros spoil pour les gens qui ne sont pas encore à ce stade du jeu. Je préfère prévenir. Attendez, là pour le moment on va faire ça. Je vais faire une petite modif vite fait. Voilà. Donc, alors, pour ce tuto, on se retrouve au sanctuaire de Mana. Sachez que pour le changement de classe, il est accessible à partir du niveau 18 avec les pierres de mana et au niveau 38 avec un objet de classe requis pour passer en classe 3 et classe 4 qui est la classe ultime. Vous verrez ça à la fin du jeu une fois que vous aurez tué le boss final de l'histoire principale, mais je vous expliquerai ça après. Donc, du coup, le sanctuaire de Mana sera le seul endroit après avoir détruit toutes les pierres de Mana pour changer de classe. Donc, je répète, au niveau 18, vous avez la possibilité de changer de classe et de passer en classe 2. Et au niveau 38, avec un objet requis, de passer en classe 3. Donc, je vais vous montrer avec Angela. Je vais vous montrer son tableau. Donc, voilà le tableau des classes. La première, donc le bas de tableau, première classe, première phase. Vous montez. Pour monter en classe 2, vous avez le choix entre deux classes. À gauche, le côté lumière. À droite, le côté ténèbres du tableau. Si je vais commencer par vous parler du côté lumière. Donc si vous prenez le côté lumière de la classe 2, on va se diriger sur le côté gauche du tableau. À partir de là, pour la classe 3, vous allez encore avoir deux possibilités de changement. Pareil, côté lumière et côté ténèbres. Si vous choisissez le côté lumière de la classe 3, au niveau du tableau, ça va s'allumer tout à gauche. Et si vous choisissez le côté ténèbres, ça va monter en haut. Restez bien sur le côté gauche. Ça va s'allumer en haut pour après aller sur la classe 4. J'espère que je suis bien clair. Dans le cas contraire, si en classe 2, vous choisissez la classe des ténèbres, au niveau du tableau, vous allez partir sur la droite. Une fois que vous avez choisi le côté ténèbres pour la classe 2, pareil que pour le côté lumière, vous allez avoir deux possibilités pour la classe 3. Côté lumière, côté ténèbres. Si vous prenez le côté lumière de la classe 3, vous allez partir en haut du côté droit. Si vous prenez le côté ténèbres, vous allez partir à droite
du côté droit. Et après la classe 4. Comme vous voyez, moi, le voyant là, ça indique que lors de mes changements de classe, classe 2, classe 3, classe 2 et classe 3, j'ai choisi le côté ténèbres. J'ai choisi le côté ténèbres sur tous les changements de classe possibles. Maintenant, arrivé à la classe 3, il va vous falloir des objets spéciaux. Alors, les objets spéciaux que vous pouvez avoir sont dans des graines de classe d'objets. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. J'en ai pas dans cette partie. J'en ai pas dans cette partie. Mais j'ai les objets de classe. Donc je vais pouvoir vous montrer avec les objets de classe. Donc, pour la classe 2, il faut juste avoir le niveau 18 et choisir sa classe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour la classe 3, la possibilité de changement de classe 3 va arriver au moment où vous avez réuni les 8 esprits élémentaires et que vous avez ouvert le sanctuaire de mana et que vous êtes que vous êtes atterri pour la première fois au sanctuaire de mana. Donc attention, je répète, gros spoil pour ceux qui ne sont pas encore à cet endroit-là. Dès l'instant où vous allez atterrir sur le sanctuaire de mana pour la première fois, vous allez avoir un message vous expliquant que vous pouvez changer de classe 3, mais qu'il vous faudra des graines avec 3 points d'interrogation. C'est les graines de classe. Et les graines de classe, vous pouvez en récupérer lorsque vous affrontez les Bénévodons. Vous pouvez en récupérer sur les bénévodons même, vous pouvez en récupérer sur les ennemis, mais ça c'est très rare, et vous pouvez en récupérer dans les coffres qui sont dissimulés dans les donjons pour les bénévodons. Je vous explique. Petite astuce, pour que les ennemis fassent tomber des graines de classe plus facilement, et que vous ayez plus de chances d'en avoir, je vous conseille le pot où vous plantez les graines de le mettre au niveau 5, c'est le niveau maximum. Comme ça va monter son taux de chance pour les gros équipements et les graines qui vous donneront des meilleurs équipements au niveau 3. Et ça fera en sorte que les ennemis, que vous ayez plus de chances que les ennemis lâchent des graines. Donc, une fois que vous avez suffisamment de graines de classe, donc les graines avec les 3 points d'interrogation, vous allez au sanctuaire de mana, à côté de la statue qu'il y a là, qu'on peut voir sur l'écran. Il y a un pot où il faut planter les graines de classe. Donc vous plantez les graines de classe. Et si vous avez de la chance, voilà. Donc pour Angela, les objets de classe, les 4 à récupérer, et je vais m'arrêter sur cette explication-là pour le moment. J'ai d'autres explications à vous donner. Donc, le tome d'Arcane, le tome d'Occulte, le tome runique et le tome d'Oracle. Ça, c'est les 4 objets de classe à récupérer pour pouvoir passer en classe 3. Donc gardez bien en mémoire ces 4 objets. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Et je vais faire en sorte de ne pas me planter. Donc, je reviens sur le tableau.
Alors, sachez une chose, c'est qu'à partir de, enfin, à partir du moment où vous changez de classe, pour la première fois, donc vous passez en classe 2, il est très important de bien choisir la classe que vous allez prendre. Pour la simple et bonne raison que les compétences, les statistiques que vous allez débloquer vont être cruciales pour le reste du jeu. Après, vous avez la possibilité de réinitialiser la classe. Mais ça, c'est pas la question pour le moment. Donc, je vais commencer avec le côté lumière. En classe 2, si vous prenez le côté lumière de la classe, arrivé en classe 3, il vous faudra les deux premiers objets que je vous ai montrés juste avant. Parce que il y a un objet pour le côté lumière et le côté ténèbres, mais pour le côté droit de la le côté gauche pardon de la classe 3. Si c'est un peu cafouillis, vous me posez les questions, vous me laissez des commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. En dire comme ça, et si je vous montre pas, c'est un peu compliqué. Mais les quatre objets, dites-vous qu'il y a deux objets par côté. Il y a deux objets pour le côté lumière, il y a deux objets pour le côté ténèbres. Donc, du coup, les deux premiers. Donc, je vais vous remontrer par rapport aux objets. Gardez bien le tableau en tête. そう、それもいいかもね。Donc voilà, le tome d'arcane et le tome d'occulte vont être pour le choix possible de classe 3 si vous avez choisi le côté lumière en classe 2. Pour le tome runique et le tome d'oracle, c'est les deux objets pour les classes que vous allez pouvoir choisir si vous avez choisi le côté ténèbres en classe 2. C'est pour ça que c'est très important d'avoir beaucoup de graines d'objets de classe pour être sûr d'avoir les quatre objets possibles. Donc, j'espère vraiment avoir été assez clair. Et sachez une chose, c'est que une fois que vous avez choisi votre classe 3, le seul objet qui pourra vous donner la possibilité de réinitialiser la classe, c'est la balance de la déesse. Sans ça, vous ne pourrez pas réinitialiser la classe. Et quand vous réinitialisez la classe, vous êtes en classe 3, vous avez choisi le côté lumière pour la classe 2 et la classe 3, et vous voulez réinitialiser et changer de classe, vous allez perdre toutes les compétences que vous avez débloquées avec les deux classes, puisque vous allez retomber en classe 1. Donc toutes les compétences débloquées et que vous avez équipées à vos alliés ou à vous-même vont vous être enlevées. Vous allez récupérer tous les points de compétences, ce qui est logique, ça ce n'est pas perdu et encore heureux. Vous allez récupérer tous les points de compétences, mais au niveau des compétences même, vous allez les perdre car, comme je vous ai expliqué, chaque classe à ses compétences propres. Donc voilà pour cette partie. Si vraiment vous avez des questions sur des choses que je n'aurais pas dites ou des choses que sur lesquelles je n'aurais pas été clair, vraiment restez pas sans savoir et restez pas dans la galère. Posez-moi les questions dans les commentaires, c'est fait pour. Les commentaires sont là pour donner notre, pour que vous donniez vos avis, tout ça. Mais c'est aussi si vous avez des questions par rapport à la vidéo que vous venez de regarder. Maintenant que j'ai parlé de la classe 2 et de la classe 3, je vais vous parler maintenant de la classe 4. La classe 4,
Et attention, gros spoil encore, la classe 4 se débloque une fois l'histoire du jeu principal terminée. Une fois que vous avez battu le boss qui correspondra au personnage que vous aurez choisi en personnage principal. Donc une fois que vous avez passé la scène des génériques, tout ça, la scène de fin, vous chargez la partie que vous venez de terminer. Normalement, il devrait y avoir une étoile dessus qui indique que vous avez terminé l'histoire principale. En chargeant cette partie, vous allez débloquer l'accès à un nouveau petit scénario où il faudra battre une sorcière du nom de Anise. Et une fois la partie chargée, vous allez avoir un tuto. Ça vous remet automatiquement au sanctuaire de Mana, ne vous inquiétez pas. Et là, vous allez avoir un tuto, enfin un message vous expliquant que vous avez la possibilité de passer en classe 4, mais qu'il faut suivre le nouveau petit scénario. Alors, je vous spoile pas trop, mais je vais juste vous donner les objets qu'il faut pour débloquer cette classe ultime. Chaque personnage a sa sphère propre qui va lui donner la possibilité de changer de classe. Donc là, je vais vous donner trois parce que c'est l'exemple que j'ai pris, que j'ai voulu. Donc la sphère de sagacité, la sphère d'instinct et la sphère de gentillesse correspondent à la classe 4 d'Angela, de Kevin et de Riez. Pour débloquer ces sphères, vous allez avoir une épreuve par perso, et c'est là où vous allez les débloquer. Une fois, alors petit conseil comme ça en passant, gamer à gamer et à gameuse, je vous conseille de faire les trois épreuves avant de retourner au sanctuaire de Mana pour les faire passer en classe 4. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça vous évite de faire des allers-retours entre les épreuves, le sanctuaire de Mana, sanctuaire de Mana, épreuve et ainsi de suite. Vous récupérez les trois sphères, vous retournez au sanctuaire de Mana, vous faites passer vos persos en classe 4 et c'est terminé. Dernière petite chose, et après je resterai à votre disposition vraiment si vous n'avez pas tout compris. Je vais revenir sur le tableau une dernière fois. Je vais revenir sur le tableau une dernière fois pour vous parler de quelque chose. Vas-y, la fée, parle, t'as raison. Donc, là, c'est important pour moi, faut pas que je me mélange. Sachez une chose, c'est que la classe 4 va dépendre du choix de la classe 2 que vous auriez fait. Je m'explique. La classe 4, vous avez soit le côté lumière, soit le côté ténèbres. Arrivé pour la classe 4, vous n'avez plus deux possibilités. Vous en avez plus qu'une. Vous n'avez plus qu'une possibilité de choix. Si vous avez choisi ténèbres en classe 2, la classe 4 sera automatiquement côté ténèbres. Et si vous avez choisi le côté de la lumière en classe 2, en classe 4, ça sera automatiquement le côté lumière pour la classe 4. J'espère que je ne me suis pas trompé. Vraiment. C'est là aussi que c'est par rapport à la classe 4 que le choix 2 est très important. Donc regardez bien avant de vous lancer dans le choix de la classe. Regardez bien les compétences que ça offre. Regardez bien les statistiques que ça augmente. Et les deux autres et le choix de possibilité, enfin la possibilité que ça vous donne en choix de classe 3 aussi. Donc si vous voulez voir vraiment tous les choix possibles que vous avez, essayez d'avoir les quatre objets de possibilité de classe 3. Regardez ce qui vous intéresse
N'hésitez pas à réinitialiser vos classes pour voir les compétences que ça peut ouvrir, que ça peut offrir. Et choisissez au mieux la classe que vous voulez. Donc voilà les amis. J'espère avoir été suffisamment clair dans les explications. Je vous répète, je vous rappelle, n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires si besoin. Je répondrai à toute question. Pour ma part, Trial of Mana Remake, je l'ai terminé deux fois déjà, avec deux équipes différentes. Et là, je suis en train de faire la troisième partie avec le dernier personnage principal avec qui j'ai pas encore débloqué l'histoire. Donc le jeu, je le connais, je l'ai poncé. Donc si vous avez des conseils à demander, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. J'ai fait cette vidéo pour ça, pour expliquer aux gens et aider les gens qui en ont besoin. Donc n'hésitez vraiment pas. J'espère que la vidéo vous plaira, les amis. Je vous dis à très très bientôt sur la suite, sur la suite de l'épopée de Trial of Mana. J'ai l'intention de faire des vidéos de l'histoire une fois que j'aurai terminé moi tout ce que j'ai à faire. Et je vais aussi vous faire une vidéo par rapport au comment dire par rapport au fait que de ce que vous pouvez avoir à avoir poncé le jeu pour les nouvelles parties plus. Vous allez voir, c'est assez cheaté. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et likez, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!